Aujourd'hui, pas de tutoriel bijoux, nous allons réaliser un sac avec des perles en bois. J'ai ici des perles en bois 15 mm et nous allons faire un tissage pour créer un sac avec ces perles. Tout le matériel est disponible sur la boutique en ligne www.perlenco.com. Vous avez le lien en description de la vidéo. Pour attacher mes perles, je vais utiliser du fil tortue 0,5 mm. C'est du fil nylon, donc du fil de pêche. Donc pour l'instant, je vais couper à peu près 4,50 m de fil. Et je verrai après s'il en faut plus. On enfile 4 perles. Et on les place au centre. Ensuite, je prends ce bout de fil et je le croise dans la perle. Et je serre. On obtient ceci. Maintenant, j'enfile une perle de chaque côté. Puis, une troisième perle. Et je croise mon fil dans la perle. Et voilà. Et on continue comme ça encore un peu. Donc une perle de chaque côté. On va continuer jusqu'à avoir la largeur du sac. Donc là, j'ai la longueur de mon sac. J'avais dit largeur, mais c'est la longueur. Et ça fait à peu près 23 cm. Donc maintenant, on va continuer le tissage comme ceci. Et ça, ce sera le dos. Après, ici, on va avoir l'épaisseur. Et on va faire le devant. Donc pour ça, je vais passer mon fil, mes deux fils, dans cette perle-là. Le premier fil qui est de ce côté, je le passe comme ça. Et celui d'en bas, il va faire le tour, il va passer dans cette perle et dans celle-ci. Et il va finir dans cette perle. Voilà. Donc du coup, j'ai mes deux fils du côté de cette perle. Je vais enfiler trois perles. Donc une de chaque côté, une deuxième de ce côté-là, et je croise mon fil dans la perle ici, comme ceci. Le fil qui est de ce côté-là, je le passe dans la perle d'à côté. Et maintenant, j'enfile deux perles. Et je croise mon fil dans la dernière. Ce fil-là va passer ici. Et on répète l'étape juste d'avant. Donc on enfile deux perles et on croise ce fil dans la dernière. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au bout. Arrivé à ce niveau-là, on n'enfile que deux perles et on croise le fil dans la perle. Dans la dernière perle enfilée. Et voilà, on a fait la deuxième rangée. Et maintenant, on va continuer comme ça, à tisser de ce côté-là. Donc, il va falloir refaire la même chose. On va déplacer les fils dans cette perle, ici. Donc, je passe mon fil du bas dans celle-ci. Et l'autre fil fait le tour en passant dans cette perle.
puis dans celle-ci. Et enfin, dans cette perle. Cette fois-ci, on enfile 3 perles, donc 2 d'un côté et une de l'autre. Et on croise le fil de droite dans cette perle. Et on passe le fil dans celle-ci. Et on continue comme ce qu'on avait fait pour le deuxième rang jusqu'au bout. Lorsque le fil commence à devenir trop court, on fait un double nœud. Donc là, je vais faire un nœud normal, puis un deuxième tour. Je vais faire un nœud chirurgien. Je serre bien et j'en fais un deuxième. Donc 1, 2, je serre. Ensuite, on met de la colle et on passe le fil dans les perles pour essayer de cacher le nœud et les fils. Comme ça, je coupe. On met bien de la colle sur le nœud. Et ensuite, on reprend un fil. Cette fois-ci, j'ai coupé 6 mètres car moins il y a de raccords et mieux c'est. Donc, je vais passer mon fil ici. Et dans cette perle, et je vais simplement reprendre. Pas besoin de faire un nouveau nœud. Donc, on essaye d'avoir la même longueur de fil de chaque côté. Et on continue le tissage. J'ai fait un rectangle de perles à peu près 23 cm par 31 cm. Donc en comptant les perles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 au plus large. Et au plus large dans la longueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perles dans la longueur. Donc en fait, après, on va replier le sac comme ceci. Et on va faire une fixation ici. Et on va coudre les bords. On va rajouter une ligne de perles, voire deux lignes de perles. On va tester pour faire l'épaisseur du sac et on rajoutera aussi les sangles ici. Donc j'ai fini de ce côté-là. Je vais aller passer mes fils à travers les perles pour venir vers le milieu. Donc je prends bien ce fil et je le passe dans les perles. Donc là, je suis au centre de mon sac. Je vais rajouter des petites perles qui vont me permettre de faire une boucle qui vont bloquer ma grosse boucle. Et je vais pouvoir comme ça fermer mon sac. J'ai enfilé 14 perles 6 mm et je vais repasser dans les deux premières perles pour former une boucle. Je repasse dans la perle d'en face. Voilà. Donc maintenant, je passe le fil dans les perles pour aller de l'autre côté. Et j'aurai donc un fil de chaque côté.
Maintenant, je prends mon fil et je vais aller dans la perle ici. Donc la quatrième perle. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 perles. Je suis dans la quatrième perle. Et maintenant, je vais relier les deux parties du sac en ajoutant une perle entre ces deux perles. J'en enfile une autre. Et je fais un tour, je repasse dans ma quatrième perle. Maintenant, on refait le tour, on passe dans celle-ci, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est la deuxième perle qu'on a enfilée pour relier les deux côtés. Maintenant, je passe mon fil dans la perle du bas. Donc c'est la cinquième perle en partant du bout. Et de nouveau, je repasse dans cette perle. Je refais le tour pour arriver dans la dernière perle enfilée. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au bout.
Maintenant, comme il nous reste une bonne longueur de fil, je vais en profiter pour fixer la grosse perle qui va servir de bouton au sac. Donc quand je rabats mon sac, je vois que l'anneau tombe par ici. Donc j'ai fait des tout petits points pour me repérer et je vais essayer de me situer dans une de ces perles pour pouvoir rajouter ma grosse perle. Je prends mon fil ici et je me déplace dans les perles pour aller jusqu'à ma marque. Je suis arrivée dans une des deux perles que j'avais marquées et je vais rajouter ma perle ici. Pour ajouter ma grosse perle, je vais enfiler d'abord deux petites perles 6 mm. Puis la grosse perle et une autre perle 6 mm. Ensuite, je repasse dans la première perle 6 mm et dans la perle d'en dessous, la grosse perle d'en dessous. Et maintenant, je repasse dans les perles, je noue mon fil, je mets de la colle et je le coupe. On peut déplacer le fil jusqu'en dessous pour que ça se voit moins. Voilà, on n'oublie pas de mettre un point de colle et on coupe. On a fait ça, on a rajouté cette accroche de ce côté. On le fait de l'autre côté également avec l'autre bout de fil.